98.9. Toujours en tête. Autre mercredi, autre rendez-vous avec notre historien conférencier que l'on affectionne particulièrement. Il s'appelle Luc Nicole. Oh, on l'aime. Ah oh, oui. C'est un beau câlin de l'esprit. J'aime ça. Nicole Labrie, câlin de l'esprit. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler d'un autre fait historique parce qu'on parle souvent évidemment de la bataille des plaines d'Abraham. C'est une bataille marquante. Mm-hmm. Mais il y a aussi eu la bataille de Montmorency qui a existé et on va célébrer le 257e anniversaire cette année. Ben oui, c'est ça qui est important. Ici à Québec, je veux dire qu'on a la chance d'avoir un gros parc historique en plein cœur de la ville. Ce parc historique-là a été créé pour souligner une bataille et c'est parce que cette bataille-là a été extrêmement importante. Je parle de la bataille des plaines d'Abraham du 13 septembre 1759. Mais c'est pas le 12, les Britanniques sont arrivés à Québec, ils avaient toute leur armée puis leur canon, leur bateau, et le 14 ils sont partis. Travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Puis souvent on a tendance à oublier ça, notamment une des plus importantes victoires françaises. Une des plus importantes, là, soit tout étant relatif, ils ont quand même perdu la guerre, les Français. Mais lors du siège de Québec, une importante victoire française qui a vraiment contrecarré les plans des Britanniques, c'est celle de la bataille de Montmorency. Je vous remets un petit peu en contexte. On est en 1759. La guerre a débuté officiellement en 1756. Donc, déclaration de guerre, hein. Mais avant, déjà dans les colonies ici, depuis 1754, on se tirait dessus un peu à qui mieux. On se bat avec quelles armes à ce moment-là? Fusil à pierre, okay. Qu'on appelle. Les gens auraient tendance à appeler ça des mousquets. Un mousquet, ça fait référence à l'arme des mousquetaires. Avec le pic au bout, ça? Même pas. C'est même pas. Gros fusil. Mais okay. Souvent, les mousquetaires, les mousquets, il fallait quasiment être deux. En fait, plus tard, ils vont en avoir des plus petits, mais c'est un fusil qui a une mèche. Donc, qui s'allume avec une mèche, alors que là, c'est des fusils à pierre, donc une pierre de silex qui fait créer des étincelles, met le feu aux poudres et fait sortir la balle. Okay. Donc, en 1759, il faut comprendre où est-ce qu'on est. Depuis le 1754, pour les Français, ça va assez bien. 55, 56, 57, 58, des grosses victoires françaises, alors qu'on n'aurait pas pu s'attendre à ça. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1758, on sent que le vent tourne. Les batailles vont beaucoup moins bien en France pour l'Europe, c'est-à-dire en Europe pour la France. Et les Britanniques, eux, ça va très bien. Donc, ils peuvent envoyer des renforts en Amérique. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et là, ils vont se concentrer. Prise de Louisbourg en 1758, donc qui est à l'entrée sur l'île du Cap-Breton aujourd'hui, donc à l'entrée du golfe du Saint-Laurent. Et on sait que Québec va être l'objectif en 1759. On arrive ici fin du mois de juin. Les Britanniques arrivent et... On a ciblé Québec, pourquoi, hein, en théorie? Capitale de la Nouvelle-France, okay. Importance stratégique, lieu de résidence du gouverneur, plus importante garnison qui est ici. Et bien entendu aussi, Québec contrôle le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Donc, c'est important stratégique au niveau physique, contrôle du fleuve, mais aussi au niveau symbolique. Donc, c'est une grosse ville. C'était logique, plus facile de venir à Québec avec une grosse flotte. Ouais. Les Français savaient que les Britanniques s'en venaient. Les informations entre les pays sont pas tout à fait imperméables. Hein. Comment ça vient, ça, ces informations-là, à ce d'autres moment-là? Pigeons? Mais ça vient par bateau. Ça arrive par bateau, ça arrive avec des bateaux. Des fois, ça va être dans les cours en Europe que ça va se décider. Donc, si vous avez... Et puis, on commence déjà à voir... les Français, entre autres, avaient ce qu'on appelait le Conseil du Roi. Donc, Louis XV avait établi une espèce de... Je vais appeler ça une espèce de bureau d'espionnage. Et ils avaient des agents et on essaie de s'espionner. Mais je dis Louis XV, puis il a l'air bien fin, mais tout, à peu près toutes les couronnes d'Europe avaient ça. Donc, les plans sont pas imperméables, justement. Comme je disais, ça voyage beaucoup d'un pays à l'autre. On savait que ça s'en venait. Donc, les Français, au printemps 1759, se préparent. Ils construisent, en fait, entre la rivière Saint-Charles et la rivière Montmorency, les chutes, ils vont pratiquement, en fait, faire évacuer toute la côte, construire des petites redoutes, donc des petits, des petits remblais. Ah, c'est tout petit. Derrière lesquels on va pouvoir mettre des canons. Ils vont construire une palissade qui fait pratiquement toute la longueur de la baie de Beauport. Donc vraiment de la rivière Saint-Charles jusqu'à la rivière Montmorency. C'est à peu près 4 km de long, presque une palissade complète. Ils vont faire un pont de bateau sur la rivière Saint-Charles. Ils vont briser des entrepôts dans le Vieux-Québec pour installer d'autres batteries de canons à ce moment-là. Donc les Français, là... On se considère prêts. Ben, et avec raison. L'officier français, c'est Montcalm. Louis-Joseph de Montcalm, qui est marquis de Montcalm et lieutenant général à cette époque-là. Et lui, il est général depuis 1756 dans l'armée française. Et c'est lui qui a eu les grandes victoires françaises à son actif en Amérique. Et bien entendu, il est assez confiant parce qu'il a fait une guerre où il était capable d'utiliser des stratégies européennes pour gagner. Donc, sa préparation répond tout à fait à une stratégie européenne. Les Britanniques arrivent ici à la fin du mois de juin.
Eux autres, c'est la même chose. Ils viennent, ils sont dirigés par un jeune fougueux qui s'appelle James Wolfe, qui a 32 ans, comparativement aux 47 ans du marquis de Montcalm, qui était un peu plus les âges qu'on pouvait s'attendre de voir un officier supérieur, donc plus vers la 40, 45, 47 ans. 32 ans, c'est assez jeune pour mener une campagne comme ça. Wolfe arrive et au cours de l'été, parce qu'ils arrivent pas tout d'un coup, là, mais pour vous donner une idée, la flotte britannique va compter 189 navires. Okay. Comparativement à combien pour les Français? Très peu. Parce que les Français à Québec n'ont pas de flotte à proprement parler. Les quelques bateaux qui restent pour les Français, on va les envoyer vers Montréal pour essayer d'assurer un pont, une liaison plus rapide. Donc, on n'a pas de bateaux de guerre à proprement parler qui sont là pour opposer. Donc, pour s'opposer aux Britanniques, qui, eux, dans toute leur flotte, ont 49 navires de guerre sur les 189. C'est immense. Les Britanniques arrivent. Wolfe est pas fou. Il étudie les cartes. Le meilleur endroit pour débarquer une flotte à Québec, ça va être où? C'est pas le Vieux-Québec. C'est pas la Rive-Sud, vous voulez être proche de la ville. La ville, c'est le Vieux-Québec, grosso modo. C'est où? C'est la baie de Beauport. Ouais, si vous voulez débarquer votre armée, vous allez aller à Beauport. Ouais. Qui est à Beauport? Les Français. Les Français ont à peu près 12 000 hommes à Beauport. C'est la plus grande partie de leurs soldats professionnels. Il y avait 6 000 soldats professionnels, 12 000 miliciens, 2 000 alliés amérindiens. Ben, à Beauport, ils en ont installé au-dessus de 12 000 de tous ces groupes-là mélangés. Okay. Donc, Wolfe arrive, peut pas débarquer où il veut. Va installer un camp à la place, à l'île d'Orléans. Va installer un camp à la place sur la rive sud. Donc, pointe de Lévis, dans le coin du collège de Lévis, couvent de Lévis. Et puis, va installer un troisième camp sur la rive est de la rivière Montmorency. Son objectif, c'est de débarquer à Beauport. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a de la place pour débarquer. Donc, je le répète, hein, mais c'est important. Donc, toujours dans la façon dont on fait la guerre au 18e siècle. Pour essayer de débarquer à Beauport, ce qu'il veut, c'est d'enlever un peu dans la tête des Français qui va débarquer à Beauport, d'essayer de les envoyer un petit peu ailleurs. Comment on peut faire ça? Notamment bombarder Québec. Nuit du 12 au 13 juillet commence le bombardement de Québec. Ça va être un bombardement très systématique. On évalue qu'à la fin du mois de juillet, c'est presque 20 000 projectiles. Autant des boulets de canon que des bombes. Une bombe, c'était comme un boulet creux dans lequel on mettait une substance explosive. Donc, elle arrivait sur place, puis elle explosait. Sinon, on calculait, puis c'était en chemin, dans son trajet dans les airs qu'elle allait exploser. On l'envoyait pas de la même façon. Un boulet de canon, souvent, c'est tiré par un canon, donc qui tire à peu près à angle, je veux dire un angle droit, mais un angle de 5 à 10 degrés maximum à la sortie. Maximiser la vitesse. Ben oui, puis l'impact, donc ça fait pas d'explosion. Quand on voit un film, là, on tire du canon au 18e siècle, puis là, vous avez un boulet qui rentre dans un mur, là, tout explose avec du feu, là, c'est bien rare. La vérité, c'est que la brique tombe. La brique tombe, ça fait des dégâts. Les bombes font des explosions. Autre mythe par rapport au boulet, c'est le fameux boulet qu'on retrouve dans l'arbre, là. Oui. C'est un boulet. Est-ce que c'est un boulet de cette époque-là? Ce serait surprenant. On sait qu'au 19e siècle, il y avait une maison d'officier. Là, on est sur la rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec. Puis un arbre, dans les racines, on voit un boulet. Donc, on sait qu'il y avait une maison d'officier militaire juste à côté. Puis c'est des caves en terre battue. Donc, vraisemblablement, l'arbre a poussé, a été chercher ce boulet-là qui était dans la terre. C'est beaucoup plus tard, en effet. Mais, cependant, ce qui nous aide un peu avec l'histoire, c'est que les Britanniques ont vraiment bombardé au moins jusque-là parce qu'on évalue que 80% grosso modo de la ville de Québec a été détruite. C'est immense. Ça, c'est durant tout l'été. Mais... provenance de l'île, en provenance des chutes Montmorency, puis en provenance toujours de la pointe de Lévis. Oui, mais ça, pour détruire la ville, c'est presque exclusivement, ou en fait exclusivement en à partir navale. De la pointe de Lévis. Okay. Donc, mais pour le reste, en effet, on va avoir ces trois camps-là. Mais l'objectif, toujours débarquer à Beauport. Et les Britanniques vont finalement lancer leur attaque. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. 31 juillet. C'est une journée chaude d'été. Un peu comme ce qu'on a connu dans les dernières semaines. Là, la température exacte, je l'ai pas, j'ai pas ce stock. Mais, donc, ça vous donne une idée d'une belle journée chaude d'été. On mobilise les troupes, on demande aux troupes, entre autres, une partie des troupes qui est à la Pointe-Lévis, une partie des troupes de l'île d'Orléans de se prêter prêt sur des bateaux. Essentiellement, les troupes qui vont lancer l'attaque, ce sont des grenadiers. C'est infanterie lourde. Eux autres, leur but, c'est de venir déloger les Français de Beauport pour que, en fait, et sécuriser une partie de la plage pour que toute l'armée puisse monter. Les grenadiers vont lancer l'attaque et il y a un petit problème, en fait, qui va se passer à ce moment-là. Deux petits problèmes. D'un, les Britanniques, et ça, c'est tout à fait... c'est très difficile de bien comprendre ce qui s'est passé, ont mal évalué deux choses. La température et les marées.
Okay. Un, vous allez voir, explique peut-être l'autre. Ah oui, puis ça, c'est important parce que c'est une attaque amphibie, c'est une descente. Et là, ça va avoir un impact majeur sur ce qui se passe à Montmorency. On est en après-midi quand on lance l'attaque. Le premier débarquement se passe bien. Les Britanniques avaient posté quelques bateaux avec des canons pour un peu supporter les troupes de débarquement. On est assez proche de la chute Montmorency, d'ailleurs, quand tout ça se passe. Les bateaux vont pilonner les positions françaises qui sont sur la baie de Beauport, empêcher les tirs de mousqueterie, les tirs de fusil. Pendant ce temps-là, il y a des troupes qui débarquent. On commence à s'installer sur la plage. Les choses vont assez bien. Les Britanniques commencent à s'installer, mais là, les Français vont... Parce que quand les Britanniques s'installent, on va diminuer les tirs de canon de sur les bateaux. Ben, les Français vont pouvoir monter près de leur mur puis s'installer pour défendre. Les Français vont être très bien commandés, encore une fois, à ce moment-là. Ils vont commencer à faire un tir de mousqueterie, un tir de fusil qui va être très bien soutenu. Les Britanniques vont essayer de les attaquer, sauf que rapidement, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils sont pris. Les Britanniques, là, imaginez-vous, vous êtes juste à côté. C'est comme si vous regardez vers Beauport. Si vous débarquez, là, ben, vous avez sur votre droite la chute Montmorency. Puis là, sur votre gauche, c'est que une palissade française. Devant vous, c'est des Français qui vous tirent dessus. Vous avez plus de place pour reculer parce qu'en arrière, il y a de l'eau qui monte. En arrière, il y a de l'eau qui monte. Ah, ouais. Mais tannant. Un peu tannant. Comment je gérerais ça, hein? T'as peu, là? Ouais. Mais pas seulement ça. Parce que le premier vrai problème, plus même que l'eau qui monte, ça va être ce qui aurait dû peut-être regarder au ciel. Journée chaude d'été. Qu'est-ce qui se passe en fin de journée? Des orages. Eh oui. Les Britanniques, donc, sont en train de lancer leur attaque. Énorme orage qui éclate. Les choses vont déjà pas bien, mais là, l'orage commence à tomber et ça tombe dur. Ça veut dire que la poudre que vous utilisez pour vos fusils peut commencer à être mouillée. Eh oui. Ça veut dire que la petite falaise que vous essayez de grimper, la petite colline, commence à devenir assez glissante. Ça veut dire que même à un certain moment, on voyait plus devant nous. Donc, vous êtes plus capable de voir devant vous. Les Français ont été efficaces dans leur défense. Vous, il y avait une palissade devant les Français. Vous avez à peu près pas fait de dégâts. Donc, ils se retrouvent dans une situation où ça va pas bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retraitent. Il y a une partie des troupes qui vont... Bon, c'est fini. Fini pour aujourd'hui, on va aller se coucher. On recommence demain. Les Britanniques, dans les sources, si on va voir ce que les généraux en disent, Wolfe, entre autres, va être très dur parce qu'il va dire que les grenadiers, c'est-à-dire, se sont mal comportés. Ils ont pas bien fait leur travail. Ben lui, il veut juste bien paraître là-dedans. Là. C'est sûr qu'il veut bien paraître. C'est lui qui a donné le call. Exact. C'est sûr qu'il a donné le call. Le problème, c'est qu'en effet, les Britanniques ont essayé d'attaquer très vite. Faut pas oublier une chose. Eux autres aussi, là. Ça fait un mois qu'ils sont arrivés. Ils viennent ici pour se battre, mais ça fait un mois qu'ils vivent dans des campements un peu tout croche, qui sont pas capables de débarquer à Québec. Mmh. Donc, ils sont prêts, là. Là, ils pensent que c'est leur journée, là. Mais ça va pas du tout. Ils viennent pour retraiter. Il y en a qui vont traverser directement la rivière Montmorency, donc pour essayer de rejoindre la rive est, pour aller plus près de leur camp. Mais il y en a d'autres qu'il faut qu'ils s'embarquent dans les bateaux. Le problème, c'est que la marée, qui avait été très basse, est en train de monter. On est capable d'embarquer sur les bateaux, mais je sais pas si vous êtes déjà allé dans la baie de Beauport, puis vous avez vu la différence entre les marées, mais vous avez pas énormément de tirant d'eau. C'est pas très profond. En marée basse, il n'y a pas d'eau. Il y a deux bateaux britanniques qui s'échouent devant la baie de Beauport cette journée-là dans la retraite. La honte, hein? Parce qu'ils ne voient plus du tout ce qui va se passer. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc finalement, l'attaque est un échec complet pour les Britanniques. Les Français vont avoir eu des pertes, mais je vais dire somme toute relativement. En effet, j'essaie d'être plus gris que ça, pas capable. Mais somme toute assez légère. Et puis l'attaque des Britanniques, le 31 juillet 1759, se solde par un échec. Un grand fail. Mais ils s'en prennent, par exemple. Hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Ce n'était que partie remise. On se retrouve, en fait, donc, bien entendu, ils vont essayer de débarquer à l'ouest pendant tout le mois d'août. Ils vont essayer de commencer à l'ouest, donc vers Deschambault-Neuville aujourd'hui, là, ce qui était Pointe-aux-Trembles. Ils ont changé d'idée. Non, mais les Français avaient de la cavalerie. Ouais. Avaient des soldats qui se déplaçaient très vite, les empêchaient. Les Britanniques, pendant ce temps-là, aussi envoient des troupes sur toute la côte du sud, à l'île d'Orléans, puis ils vont brûler les villages. C'est une autre façon de montrer un peu qu'ils sont pas contents. Ça passe pas comme ils veulent. Ils essaient d'enlever le focus sur la ville de Québec pour déconcentrer, si vous voulez, les Français. Mais les Français, d'un autre côté, savent que leur seul espoir, c'est de rester à Québec. Mais paradoxalement, la tombe de Wolfe est à Montmorency. La tombe de Wolfe, ben, c'est-à-dire, non, la tombe de Wolfe est en Europe. OK, parce qu'il y a comme une pierre tombale commémorative. C'est pour marquer le camp. Ah, c'est pour marquer un des camps, ouais, parce qu'autrement, les gens pourraient l'oublier. Non. Parce qu'il y a plusieurs prennent pour acquis que ça ressemble à une pierre tombale. Ouais. C'est légèrement fortifié, c'est réglé, il est là. Wolfe va mourir à Québec, oui, mais le 13 septembre. On est en 1759 toujours, mais le 13 septembre, donc attaque surprise, comme Wolfe avait fait à Louisbourg l'année précédente.
1930. Il débarque à un endroit où les Français s'y attendent pas. Un petit sentier à peine gardé par 100 personnes. Côte Gilmore, ça? Ouais, ben, certains disent la côte Gilmore. Il y avait juste à côté le ruisseau Saint-Denis. On sait que c'est dans ce coin-là, l'Anse des Mers, que ça s'appelait l'Anse au Foulon. Ils sont débarqués dans ce coin-là. Et là, ils ont monté la falaise. La côte Gilmore est peut-être un sentier qu'ils ont utilisé, peut-être pas nécessaire, mais c'est clairement dans ce secteur-là. Là. Ça, il n'y a aucun doute. Ils sont montés sur les falaises et là, ils ont surpris les Français. Français, sous le coup de la surprise, essaient de regrouper leur armée, incapables de faire quoi que ce soit. Il y a des soldats, des miliciens, des Amérindiens. Quand Montcalm arrive sur les plaines, n'est pas capable de leur donner un ordre strict, donc une discipline stricte comme ils auraient pu avoir, lance l'attaque. Les miliciens, les Amérindiens font ce qu'on appelle la petite guerre. Donc, plutôt que de se battre en rangée, eux autres, ils se mettent à courir, tirer derrière des buissons. C'est désorganisé. Là. Ça va être désorganisé rapidement. Les Britanniques, eux, de leur côté, sont bien organisés. L'attaque va être rapide, moins de 30 minutes. Et puis, les Britanniques remportent la bataille des plaines. Wolfe est blessé mortellement lors de la bataille des plaines. Meurt à peu près dans le secteur du rond-point face au Musée national des Beaux-Arts. Montcalm va être mortellement blessé. Lui, on le ramène en ville et va mourir le lendemain matin. C'est ce qui ajoute à la légende de cette bataille-là, bien sûr. Wolfe, cependant, sa dépouille va être mise dans un baril d'alcool pour le conserver et va être enterré en Angleterre. Montcalm, lui, au départ, est enterré dans un trou de bombe au monastère des Ursulines. Incroyable. Ouais. Et puis éventuellement, il se retrouve où? Déplacé à l'hôpital général. Okay. C'est ses restes. Il y a un mausolée de Montcalm à l'hôpital général aujourd'hui à Québec. C'est fou. Encore une fois, on passe combien de fois devant les plaines d'Abraham, tu sais? Puis pour nous, là, c'est synonyme de on va se faire une petite course là. Des fois, il y a des matchs de football, là, exactement. On se réunit pour le FEC. Ouais. Mais c'est ça. Mais à la base, faut pas oublier, c'est un site historique majeur. Ouais. C'est ça aussi. Hein, on pense à tout, mais c'est non seulement un parc urbain, mais c'est un site historique d'importance nationale. Cette page d'histoire, une présentation de la tête de Luc Nicole. Merci, on met ça la semaine prochaine.